Gardes montantes, gardes descendantes, rejoignez vos emplacements.
Rejoignez vos places. Garde à vous. Récipiendaire, à vos places. Capitaine Cadour. Nous remettons le mérite fédéral. Sergent chef Cabot. Récipiendaire, rejoignez vos places. Thank you.
Tarn-et-Garonne compte plus de 800 sapeurs, dont 70 professionnels, répartis dans 16 centres de secours. Plus de 11 000 interventions en 1991 et 1300 missions de prévention. La formation permanente et le sport font également partie des occupations des pompiers. En tête du hit parade des professions, c'est avec une réelle fierté que la population moissagaise va assister à cette présentation, terminée par un défilé nautique. Capitaine Gérard Cadour, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Mérite. Les drapeaux, puis comme commandant d'un corps de sapeurs-pompiers, a fait preuve de courage et de dévouement. Il a une vocation. Sergent-chef Caillès, médaillé d'honneur. Les sapeurs-pompiers, service exceptionnel à Vérozette. Capitaine médecin Mardegan, médaille d'honneur de l'Union départementale. Caporal-chef Hurlan, médaille d'honneur des sapeurs-pompiers du parcours du sportif à Vérozette. Sapeur Sofietti, médaille d'honneur argent. Soulain Jérôme, médaille d'honneur du parcours sportif. Argent.
Sur les motopompes 1015, ouais. 2015, il y a 4 grosses lances en manœuvre et on n'arrive pas à maîtriser ce feu de caoutchouc qui est un problème pour nous important. Il y a 4 casernes Il va y avoir 4 casernes. Oui. En ce moment, en Valence arrive avec le CCGC, oui. un 10 000 litres, mmh. et Castelsarrasin avec un CCGC 4000. La situation quand même. Oui, là elle est bien. Là il est bien étouffé. Presque maîtrisé. Je crois qu'il va falloir peut-être passer la nuit là. Oh, oui. Il va falloir passer la nuit et surveiller le feu. Ça, ah. c'est... Ah. Du préfet de Tarn-et-Garonne et du député-maire de Moissac,
en date du 3 janvier 2000, il est mis fin aux fonctions du capitaine Cadou à compter du 6 janvier 2000. Par arrêté conjoint du préfet de Tarn-et-Garonne et du député maire de Moissac, en date du 3 janvier 2000, le lieutenant Roux est nommé chef de corps de Moissac à compter du 6 janvier. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, vous reconnaîtrez comme chef le lieutenant Roux ici présent. Vous lui obéirez en toutes circonstances pour le bien du service, dans le respect des lois et règlements de la République. Passation de commandement. Fermez le bras. Compagnie, à mon commandement, repos. Compagnie, à mon commandement, garde-vous. Compagnie rassemblée, à vos ordres, monsieur le maire. Direction de l'intérieur pour les discours. À disposition de nos...